J'ai le plaisir de m'entretenir avec Anne-Claire Rallot, musicienne des groupes Nine Skies et Solace Supplice, fondatrice et présidente de la firme Bad Dog Promotions et plus encore, comme on va le découvrir. Anne-Claire, merci beaucoup de prendre le temps de répondre aux questions de Profil Prog. Merci à toi. Écoute, d'emblée, j'aborderai le délicat sujet du décès d'Éric Bouillette, musicien talentueux et ton âme sœur. Est-ce que l'album Hommage à Éric, superbe d'ailleurs, je dois le dire, contribue un peu à apaiser la douleur? Apaiser la douleur, je pense que ce n'est pas vraiment cet album-là qui va jouer ce rôle, pour moi en tout cas. C'est plus un moyen de continuer à faire vivre Éric par rapport à tous ces gens qui ont voulu lui rendre hommage et tous les gens pour lesquels il a participé dans leur vie, on va dire. Donc, c'est plutôt, oui, plutôt une manière de continuer à lui rendre hommage et à le mettre en lumière et à mettre en lumière tout ce qu'il a apporté pour beaucoup de gens, je dirais ça. Ouais, tu parlais des artistes. Est-ce que tu as contacté les artistes ou si plusieurs ont proposé leur participation d'emblée, sachant le projet que tu élaborais? C'est les artistes qui sont venus vers moi pour me dire qu'ils voulaient participer à ce projet. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai pas eu vraiment beaucoup de travail à faire au niveau de la recherche d'artistes. J'ai pas eu à courir après grand monde. Ah, mais ça, c'est chouette. Dans l'album, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de beauté, de moments touchants. Vraiment, c'est un album vraiment où on sent les vibrations, on les entend. Est-ce que les musiciens avaient carte blanche? Oui, totalement. Totalement. C'est vrai que c'est très émotionnel. Certains ont composé la chanson pour cet album exprès, pour Éric particulièrement. D'autres ont pris des chansons sur lesquelles ils ont collaboré ensemble. Ou qui vont sortir bientôt dans des prochains albums. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait cette thématique de le faire pour lui. Donc, c'est peut-être pour ça que, malgré la diversité, parce que ça reste quand même... C'était un challenge parce que c'est quand même une compilation où il y a un peu de tous les genres et de tous les styles. Donc, c'est très éclectique. Et la cohérence, en fait, elle se fait toute seule. Donc, c'est parfait. Ouais, c'est vrai que c'est éclectique. Pourtant, on sent, on entend une continuité. Enfin, il me semble, je vais le réécouter plusieurs fois encore, mais il me semble qu'on sent très bien le fil conducteur qui est évidemment l'hommage. Oui, c'est ça. Le titre de l'album, EPK Tribute to Éric Volume 1, laisse bien sûr entendre une suite possible. Est-ce bien le cas? Et est-ce qu'une date est déjà dans le collimateur? Oui, alors c'est pas possible, c'est déjà annoncé sur le site de FTF qui produit, on va dire, l'album qu'il envoie en tout cas. Le premier volume va sortir le 14 février, là, les commandes sont déjà ouvertes. Mais ce qui s'est passé, c'est que, pour en revenir un petit peu à ta question sur est-ce que j'ai dû courir après les artistes ou pas, j'ai eu justement tellement de demandes de participation que malheureusement, on peut pas mettre plus de certain nombre de minutes sur un album. Donc oui, j'ai eu tellement de participation que je voulais évincer personne et donc il y aura deux volumes. Enfin, il y a déjà pratiquement deux volumes parce qu'il y avait trop pour faire sur un. Donc on va sortir le volume 2 peut-être cet été sûrement début juin. J'ai pas encore fixé la date, mais ce sera dans les alentours de juin pour juste faire la continuité en fait des deux. C'est une belle problématique que d'avoir effectivement à mettre plus de musique plutôt que de courir après. Un projet majeur auquel Éric a participé à Imaginarium, The Rise of Medici, avec le sympathique et polyvalent Clive Nolan. Peux-tu nous parler un petit peu de la genèse et de la réalisation du projet? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'était un des projet auquel Éric était dont il était le plus fier, on va dire. Si je ne me trompe pas, l'édition spéciale avant la sortie officielle est sortie en septembre de l'an dernier, avec une édition limitée de 300 exemplaires sur des formats de yearbook signés et numérotés à la main. Donc Éric n'a pas eu le temps d'avoir l'album en main, mais il a eu le temps de voir l'artwork fini, etc. Donc il savait très bien comment le produit
serait, et il en était vraiment très très fier. Pour plusieurs raisons, déjà parce qu'il était très fier de participer à ce projet avec tous ces grands musiciens, puisque ça réunit quand même beaucoup de grands talents. Tu as mentionné Clive, il y a Laura au chant, il y aura Laura Piazza, il y a Scott Ayam à la batterie, Andy Sears au chant, Lena Viadug, enfin, il y a Bernard Herry à la basse, il y a beaucoup de musiciens, mais tous très talentueux. Et également parce que ça reprenait aussi une de ses passions qui était l'histoire, donc il a réussi à mélanger, à mêler l'histoire et la musique, puisque c'est un album concept sur les Medici. Donc la genèse, en fait, il a rencontré Laura, justement, la chanteuse Laura Piazza, un spectacle de Clive Nolan, et ils ont commencé à parler de faire cette espèce de projet épique, un peu épique rock. Et il a commencé à composer des chansons, mais aucun d'eux ne composait vraiment de ligne vocale ou de paroles ou d'histoire. C'est comme ça qu'ils ont tout simplement demandé à Clive si ça l'intéressait de participer et de faire ça. Et donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé impliqué et qu'on a eu un petit peu les trois piliers de ce projet, les trois protagonistes qui ont donné naissance à ce projet-là. L'album a reçu un accueil très positif, notamment sur Profil Prog, et récolte des honneurs bien mérités. Source de fierté, j'imagine, pour toi, et sûrement, quelque part, les vibrations l'atteignent. L'album était distribué au départ par Anesthetize, qui a dû fermer ses portes pour cause de défaut de paiement de certains partenaires. Cependant, Bad Dog Promotions, dont l'agence que tu as fondée, de relations publiques que tu as fondée, a pris ou pourrait prendre le relais de la distribution, si je ne m'abuse. Peux-tu nous en dire deux mots? Pas vraiment. Par le biais de Bad Dog, je continue de faire la promotion, même si évidemment on a déjà eu beaucoup, puisque l'album était censé sortir en fin d'année dernière, donc on a déjà eu beaucoup de chroniques, beaucoup d'interviews, effectivement toutes déjà très positives. Donc ça va pas changer, je vais continuer à faire la promotion par le biais de Bad Dog. En revanche, moi je suis pas un label, je suis vraiment une agence de promotion. Donc là, Imaginarium devrait annoncer sous peu, quand je dis sous peu, c'est d'ici quelques semaines si tout va bien, parce que ça fait un petit moment que je dis ça, mais là ça y est, le nouveau label qui va prendre en charge la distribution de l'album, avec la date de sortie officielle et les formats officiels qui seront disponibles, etc. Donc, ça va venir incessamment sous peu, là. Ayant travaillé moi-même dans le domaine des communications quelques décennies, je serais curieux de t'entendre nous parler de la nature de Bad Dog Promotions, qui est consacrée à notre passion commune, la musique. Peux-tu donc nous dire ce qu'elle est et ce qu'elle fait, s'il te plaît? Je fais principalement de la promotion. Alors, c'est vrai que ça prête à confusion pour pas mal de gens qui ont du mal à faire la distinction entre le booking, l'édition, la promotion. J'ai effectivement des partenariats et des partenaires formidables pour ce genre de choses, notamment FTF qui produit Soleil Supplice, qui produit l'album Hommage à Eric, comme on a dit. Donc, eux s'occupent de vraiment distribuer l'album, ce que moi je ne fais pas. Spittering Booking Agency qui eux s'occupent de trouver des dates. Voilà, ça c'est vraiment des agences de booking où c'est eux qui s'occupent de tout ça. Moi je suis proprement sur la promo, c'est-à-dire qu'un artiste n'est pas censé faire, en fait, pour lui, il est censé faire de sa musique. Et c'est un petit peu, comme je dis, c'est un petit peu comme quand on enregistre un album, on le compose, on l'écrit, mais après on a beau être un bon musicien, on n'est pas forcément un bon ingé son. C'est vraiment deux métiers différents. Faire la promo, c'est pareil. Déjà, c'est très chronophage, ça demande un temps assez conséquent que les musiciens n'ont pas forcément. Et s'ils prennent pour faire ça, c'est dommage, je pense qu'ils pourraient le prendre pour autre chose. Et puis c'est pas simplement peut-être pas leur but de faire ça. Donc moi, je m'occupe, quand ils sortent un album ou quand ils ont des news, de maintenir l'intérêt des gens et de les faire connaître, parce qu'il y a énormément de gens. Et tant mieux, un des bons côtés d'Internet, il y a beaucoup de mauvais côtés, mais il y a aussi quelques bons côtés. Et un des bons côtés aujourd'hui, c'est qu'on peut découvrir énormément de talents. Et on se rend compte vraiment, vraiment du nombre de talents qui existent. Mais c'est difficile de se faire
de se faire, je parle pas de devenir une star, mais au moins de faire connaître son univers parmi tout ça, si on fait rien. Et donc, voilà, moi, je m'occupe de mettre ces artistes-là en lumière avec des interviews, des chroniques, des passages radio, du bouche à oreille, juste en présentant aux gens qui sont susceptibles d'aimer ce genre de musique-là. Et puis ensuite, c'est l'effet boule de neige, comme on dit. Ben justement, tu parles d'artistes là, dont tu fais la promotion. J'ai eu le plaisir de développer quelques excellents liens avec Jerry Cutillo et son projet Oscillation Alchemy Creativity. Je suis curieux de connaître les circonstances simplement de votre association. Comment s'est fait le lien? Eh bien, là encore, c'est par le lien de Laura Piazzai, qui sera le fil rouge de l'interview, puisqu'elle elle figure sur l'album Sur une chanson, le dernier album Tesla que je vais que j'ai commencé récemment là, à promouvoir. Et donc, elle a parlé de Bad Dog tout simplement à Jerry, puis on a fait connaissance comme ça. On n'a pas de suite conclu spécifiquement d'accord pour faire sa promotion. Ouais, puis on a discuté, et comme tu as dit, il est effectivement très sympathique. C'est vraiment un chouette gars, en plus d'être talentueux. Et donc, de fil en aiguille, tout simplement, on en est arrivé à ce qu'il m'a contacté en me disant, bon, bah, voilà comment ça se passe avec Bad Dog, j'aimerais bien savoir pour faire la promo de mon projet. Et plus globalement, pas seulement du dernier album, mais un peu des lives, des albums précédents. C'est vrai qu'il a une discographie aussi intéressante. Et donc, voilà, c'est une collaboration qui commence tout récemment, là, la semaine dernière. Et Tesla, tu en as fait la promotion en entier? Je commence, là, je commence. OK. Il avait déjà, puisque l'album est quand même sorti en juillet de l'an dernier, donc Jerry a déjà eu pas mal de retours et déjà fait quelques démarches de son côté, mais disons que je prends le relais, là. Ouais. OK. Et en règle générale, les liens des autres artistes qui font partie là, de ceux dont tu fais la promotion, les liens se font comment en règle générale encore là? Est-ce que ce sont eux qui t'approchent ou toi-même tu fais quelques approches? Dans l'idéal, il faudrait que j'aie le temps d'approcher certains artistes. Et c'est peut-être une bonne chose parce que je m'étais donné 2 ans pour voir un petit peu comment Bad Dog allait se développer. Et ça fait 1 an et c'est mi-novembre, donc ça va faire, on va dire 1 an et un mois et demi que l'agence s'est lancée. Puis ça marche plutôt bien. Et j'avoue que je n'ai pas eu à courir après les artistes puisque c'est toujours eux qui, pour l'instant, qui viennent me contacter. Effectivement, ça ne donne pas 100% à chaque fois une conclusion positive, mais en tout cas, ouais, j'ai pas mal d'intérêt de gens, justement de bouche à oreille, je présume. Donc, on est toujours sur cet effet boule de neige, mais c'est comme ça que la communication fonctionne. Et non, j'avoue que jusqu'à présent, c'est eux qui viennent vers moi, donc c'est fabuleux. Parlant de projets à venir, il y a quand même Nine Skies, dont on verra un nouvel album au printemps, The Plutôt en Lightmaker. septembre. Ah, bon. On a su quand même, probablement par une certaine agence de promotion, qu'il y aura une longue pièce, la plus longue du groupe, si je ne m'abuse, et qu'il y aura un certain Marco Minneman qui jouerait de la batterie. Ben écoute, nous sommes suspendus à tes lèvres pour en savoir un tout petit peu plus, peut-être, sur cet album-là, si tu le peux, bien sûr. Oui, alors la seule chose que je ne pourrais pas encore dire, c'est par rapport aux autres invités, puisque c'est un petit peu devenu notre marque de fabrique, j'ai envie de dire. Et évidemment, sur cet album-là, on va avoir, si tout va bien, d'autres invités. J'ai annoncé effectivement Marco récemment, tout simplement parce que dans ce genre de processus pour lequel on est maintenant assez habitué, j'annonce les invités uniquement quand j'ai, même si j'ai leur accord et je sais qu'ils sont en train de travailler sur les pistes. Uniquement quand je reçois les pistes finales, que tout est enregistré et qu'ils me disent oui, c'est bon. Voilà, parce que là, il faut quand même qu'on soit sûr. Mais effectivement, il pourrait y avoir d'autres invités qui sont en train de travailler sur l'album, dont peut-être même sur cette chanson-là, la fameuse. Et je devrais annoncer ça bah, bientôt, mais après, il faut aussi que j'en garde, parce que comme je disais, l'album va sortir en septembre, donc pas tout annoncer d'un coup. Mais je vais revenir ensuite sur l'album, mais on va certainement annoncer, comme on est habitué aussi à le faire,
un crowdfunding très bientôt. Je pensais le faire fin janvier, ce sera peut-être début février. Ça va permettre aux gens, parce qu'en septembre va sortir l'édition standard, on va dire, hein, du Sofra Digipack. Standard, on a l'habitude de faire des crowdfunding avant, et je pense que là on va le faire, c'est ça, à peu près début février, enfin février ou d'ici peu, pour laisser le temps aux gens d'avoir plusieurs récompenses possibles, puisque les crowdfunding nous permettent ça aussi, d'avoir quelque chose de différent, d'un peu plus personnalisé, ou d'inédit ou de limité par rapport à ce qui sortira en standard en septembre. Et à ce moment-là, je pense qu'on annoncera peut-être pas tous, mais au moins déjà beaucoup, beaucoup de guests si c'est confirmé d'ici là. Alors, c'est vrai qu'on attend beaucoup de cet album pour plusieurs raisons. Déjà parce que suite au décès d'Eric avec Alex, on était assez. Honnêtement, pendant 2 mois, aucun de nous n'a. Je pense qu'on y pensait chacun de notre côté, mais aucun de nous n'a vraiment parlé. On essayait de digérer un petit peu et de voir comment les choses allaient venir. On a mentionné le fait de lui faire un album tous les deux en hommage. Et puis ensuite, cet album tribute, puisque les gens voulaient vraiment rendre hommage à Eric et c'était très beau. Mais on n'était pas encore dans la même approche. Et puis un jour, on a franchi le pas, on s'est parlé, on s'est dit, bon, bah, on ne peut pas laisser tomber Nine Sky, parce que c'était notre projet, c'était son projet, voilà, c'était vraiment le pilier pour nous trois au niveau de notre musique. Et ça le reste pour Alex et moi. Et donc, on s'est dit, on continue, évidemment, qu'on continue le groupe. Et non seulement on continue, mais on va faire un nouvel album. Et on retourne à l'électrique, on retourne à un album concept, puisque le dernier était pas vraiment un album concept et c'était un album purement acoustique. Donc on retourne un petit peu aux bases et on dédicace cet album à Eric, notamment par le fait qu'il avait commencé, puisqu'on avait prévu de faire un album, bien sûr, il avait commencé à enregistrer quelques idées. Donc dans un des morceaux, j'ai mis un teaser instrumental en ligne pour l'instant, un des morceaux, c'est parti de Alex a brodé autour de son idée en fait. On a un morceau. C'est vraiment l'idée qu'il avait enregistrée, autour duquel on a brodé. Donc il y a quelques idées, voilà, pas grand-chose qu'on pourra garder en enregistrement, mais il y a quelques guitares qu'on peut garder, choses comme ça. Donc ce sera assez émotionnel, effectivement, de sortir cet album-là. Et puis surtout, on attend beaucoup de cet album, parce que je pense qu'on en est très fiers jusqu'à présent, en tout cas, de ce qu'on entend. On est content de retourner à l'électrique, on est content de retourner à un concept. Je pense qu'on évolue à chaque fois. Hein, depuis Return Home, on entend notre évolution et on apprend tout le temps. De toute manière, on continue d'apprendre chaque jour. Mais je pense qu'on a encore franchi un pas et le public nous dira, mais j'espère en tout cas qu'ils seront du même avis. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs, en tout cas, de savoir que le groupe qui a produit de bien belles choses puisse aller de l'avant. Il n'en sera peut-être pas de même d'autres groupes où vous partagez des notes de musique. Solas Supplice, j'imagine, le EP et l'album seront probablement les seules productions que nous entendrons de la part de ce groupe. Alors, j'ai commencé à y penser, honnêtement, je n'y avais pas pensé jusqu'à récemment, on m'a posé également la question. Ça me semble évident, oui, dans le sens où je pourrais continuer à composer et j'ai la chance d'avoir l'aide d'Alex qui est fabuleux, Alexandre Lamia, qui s'occupe d'enregistrements comme Nine Skies ou on en parlera aussi sûrement de mon projet. Mais effectivement, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt dans le sens où c'était vraiment un projet qu'Eric et moi avions, et puis Eric chante aussi. Donc voilà, il y a ça aussi, il y a ce petit détail. Et puis c'était vraiment le but de ce projet était vraiment de mettre mes textes que j'avais écrits en français en musique et d'essayer de voir si on arrivait à faire sonner de la musique en français sans donner ce côté vraiment trop variété. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour nous, c'était vraiment un challenge. Sortir de notre zone de confort, il y a des groupes qui arrivent très très bien à faire ça. Eric aimait beaucoup Marquis de Sade, Tiphaine, moi j'aime beaucoup Noir Désir, enfin ce genre de. Pour moi, voilà, ils ont le pouvoir de faire du français sans sonner vraiment variété. Et c'est ce qu'on voulait voir si on arrivait à donner un petit côté plus rock, plus brut que Nine Skies en français, avec une petite touche de prog, mais vraiment voilà, c'est ça, ce côté plus brut. Donc on l'a fait avec mes textes, et je pense qu'effectivement l'album c'était l'aboutissement. Il y a eu l'EP et l'album de ce projet. En tout cas, pour l'instant, c'est. J'ai d'autres priorités qui vraiment sont Nine Skies et mon projet, ouais, pour continuer. Ben,
Ben écoute, justement, parlant de priorité, il y a du nouveau dans l'air pour toi. Il y a ce projet là, d'album concept, Frantic, qui doit apparaître en 2023, si je ne m'abuse, qui est une escapade de solo de madame. Écoute, on est vraiment curieux, là. C'est quand il y a des nouveaux projets comme ça, les amateurs généralement tendent les oreilles. Alors, si tu peux nous en toucher quelques mots, nous aimerions. Alors, ouais, je vais essayer de dire le maximum possible, mais le projet est encore en conception. Mais effectivement, je dirais qu'avec Nine Skies, c'est les deux gros projets que j'ai vraiment pour cette année. J'espère le sortir le plus tôt possible. J'ai pas encore de date. Comme je dis, on est en plein enregistrement avec justement Alexandre. Alors, certaines démos avaient déjà été publiées, une ou deux. Je les avais déjà partagées. Elles sont pas en ligne, mais j'avais déjà partagé certaines de mes compos. Donc, effectivement, là, ça va être réenregistré, réarrangé. C'était vraiment des démos. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elles avaient déjà été composées quand Eric était là. Il avait d'ailleurs chanté et arrangé certaines d'entre elles. Je pourrais malheureusement pas garder les parties parce que au niveau de la qualité sonore, etc., c'est pas possible. Donc on réenregistre tout. Il y a peut-être un titre sur lequel on va pouvoir garder son chant. Voilà, ce qui serait je pense que c'est ce qu'on va faire de toute façon. Donc les moindres petites idées d'arrangement qu'il avait fait sur les démos que j'avais déjà composées ou de parties que je peux garder de lui, en fait, on essaye de les garder dans une cohérence quand même sonore, effectivement, et ça me permet de garder le plus possible encore une, peut-être une dernière fois, de ce que je peux de lui. Donc il y a ces morceaux là qui avaient déjà été composés depuis un moment, puis que j'avais jamais encore abouti à assez de morceaux pour en faire un album, mais c'était resté à l'état de démo. Donc il avait enregistré certaines parties, il avait fait des arrangements. Il y a certains autres qui ont été enregistrés là tout récemment, après son décès. Et puis il y en a d'autres qui sont au milieu. Donc il y en a d'autres sur lesquels il avait fait un petit peu, et puis on n'avait pas terminé. Donc je termine avec Alex d'arranger tout ça. Et comme je dis, j'essaierai de prendre le plus de petites parties de lui. Donc, on parlait au début de l'album. Tu me demandais si l'album hommage, c'était un moyen de un petit peu de libérer ce que je ressentais. Je pense que c'est cet album-là qui est vraiment… ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'habitude d'écrire beaucoup, des livres, des paroles. Et généralement, c'est mon moyen vraiment de libérer un petit peu les choses. Et là, il se passait quelque chose, c'est que impossible d'écrire quelque chose qui me satisfaisait vraiment, etc., en termes de mots, je parle. Et il s'est avéré que c'est par la musique, finalement, que ça s'est fait. En revenant sur ces démos que j'avais, et puis en continuant celles qui n'étaient pas finies. Donc, en fait, cet album, ce sera vraiment une catharsis, on va dire. Voilà, ce sera vraiment, pour moi, c'est vraiment une catharsis, même au niveau de l'histoire, parce que c'est un album concept. L'histoire est assez métaphorique tout du long de l'état par lequel, des différents états, on va dire, par lesquels je passe, je suis passé ou je continue de passer, on va dire. Ça racontera l'histoire de deux protagonistes, de deux âmes sœurs, on va dire. Et alors, je ne veux pas en dire trop, mais l'une va se réveiller un matin comme ça, un bon matin sans l'autre, disparue. Et donc, va se retrouver dans un monde qui lui semble effectivement tout nouveau, ou qui peut-être qu'il est vraiment, ou juste qu'il lui semble. Et donc, on va suivre ses aventures, découvrir plusieurs personnages et faire un constat sur ce monde et comment il apparaît au travers des chansons. Et puis pendant que ce personnage va chercher donc l'autre qui s'appelle Hope, donc l'espoir, va chercher l'espoir. Et donc, voilà, je ne vais pas tout raconter, on verra si elle le trouve ou pas à la fin. Mais c'est vraiment évidemment très métaphorique, et c'est vraiment voilà le moyen que j'ai trouvé de faire ma catharsis. Je suis assez contente parce que ça fait un moment que j'avais enregistré ces démos, ça fait un moment que je voulais le faire, et ça a été le déclic pour le faire. Mais je suis surtout très contente de pouvoir travailler sur cet album avec des musiciens extraordinaires, parce que bon, Alexandre est extraordinaire de toute façon. Donc on enregistre tout ensemble, il fait des arrangements fabuleux, les parties de guitare aussi.
Johnny Marter, que j'ai annoncé récemment comme batteur de Nine Skies, va faire les batteries aussi sur l'album. Donc, je suis comblée. Et puis Alexis Bietti, qui est bassiste de Nine Skies aussi, va faire les basses sur l'album. Donc, il va y avoir des grands musiciens vraiment très, très aussi adorables que talentueux. Alors, au niveau du chant, j'ai discuté la semaine dernière avec Martin Wilson de The Room, on serait tous les deux très, très intéressés pour travailler ensemble sur ce projet. Donc, ça va sûrement se faire si sa disponibilité le permet. Donc, je pense que c'est un beau line-up là, qui s'annonce pour faire vivre ses compos. Et puis, j'espère pouvoir partager un single ou deux. J'ai déjà trois titres qui pourraient faire single. J'ai pas encore le chant dessus, mais le reste est enregistré. J'en sortirai deux, c'est sûr, avant la sortie de l'album, de toute façon. Donc, j'espère que les gens se feront une idée avec ça. Et musicalement, tu te permets de sortir du fameux prog ou si c'est que ça campe quand même des corps progressifs, un peu comme Nine Skies est vraiment un groupe progressif, ou si tu vas toucher, comme c'est très populaire souvent chez de nombreux artistes, on l'entend sur le nouveau Riverside, où Steven Wilson l'a fait, mais en allant toucher d'autres domaines, que ce soit de la pop ou de l'électro, et y ajouter une touche finalement différente. Je dirais que j'ai pas vraiment réfléchi à la chose. C'est simplement ce que j'avais exprimé qui ressort. Après, oui, effectivement, il va falloir y mettre une étiquette, et je pense que l'étiquette qu'on va y mettre, ça sera. Je vais quand même rester dans ma zone de confort. Je vais pas sortir dans. Ça restera. Je pense qu'on qualifiera de rock progressif ou néo prog. Je ne sais quelle étiquette. Je ne sais pas. Moi-même, je n'ai pas spécifiquement d'exigence par rapport à l'étiquette qu'on en donnera. Mais quand j'écoute les premiers titres qui sont enregistrés, oui, c'est plus du. Alors, il faut quand même que je donne une idée aux gens, ce sera plus de la prog mélodique, pas vraiment de la prog technique à la Yes ou à la King Crimson. Mais ce sera plus de la prog mélodique entre. C'est difficile de... Non, je vais faire du Pink Floyd. Mais voilà, pour donner un ordre d'idée. On sera plutôt là-dedans. Il y aura des accents de prog, effectivement. Parce que, bon, je ne sortirai pas de ma zone de confort, on ne se refait pas. Mais c'est simplement, vraiment, purement, avant tout, ce que j'avais besoin de dire et les sentiments que j'avais besoin de libérer. Mais bon, vous me direz quelle étiquette vous donnez à la chose. Ouais. Ça nous fera plaisir, bien sûr, d'en parler à Profil Prog. Il va sans dire. Écoute. Ouais, mais je pense qu'on sera pas, voilà, je pense qu'on sera pas non plus dans quelque chose trop hors de l'étiquette. Tu mentionnais Steven Wilson qui s'est attaqué à l'électro, des choses comme ça. On ne sera pas dans ce type d'approche. L'année s'annonce bien occupée pour toi. Puis je suis persuadé que de nombreux amateurs vont suivre avec intérêt ce qui va en sortir. J'aimerais, en conclusion de l'entrevue, te laisser le mot de la fin et carte blanche, et moi je te remercie au nom des auditeurs de Profil Prog et en mon nom. Merci. Déjà, je voudrais vous remercier moi aussi pour m'avoir accordé cette interview et un petit peu de temps et la mise en lumière. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens? Les remercier aussi d'être toujours là, parce que comme je dis toujours, que ce soit des musiciens ou que ce soit des artistes, on n'est rien si effectivement on a personne pour écouter et écouter ce qu'on fait. Et puis j'espère que tous les projets qu'on a cette année, j'ai oublié de mentionner le fait que, parce que c'est pas encore annoncé officiellement, mais on travaille sur une tournée avec Nine Skies aussi pour octobre. Enfin, une tournée. 4-5 dates, on va dire, mi-octobre. Donc j'espère que ceux qui pourront venir seront au rendez-vous et puis que surtout les gens seront au rendez-vous aussi pour ces deux gros projets que j'ai pour cette année. Quant à Bad Dog, eh bien, écoute, j'espère juste que ça continuera. Que jusqu'à présent, mes artistes sont satisfaits. Moi, je suis satisfaite, j'aime ce que je fais. Eux sont satisfaits de la promo et des retours qu'ils ont. Espérons que ça dure. Voilà.